Puis là, je regardais ça, puis là, je me rendais compte que il y a quelque chose par rapport à l'ADN et la colonne avec le comme la spirale de l'ADN autour de la colonne. Et là, je demande, mais OK, mais comment je fais pour je veux bien réactiver ces codes-là, mais je fais comment? Et ce qu'on me dit, c'est que je dois mettre une main où est-ce que la glande pinéale et l'autre à la base du sacrum et visualiser que l'énergie, que l'ADN se reconstitue parfaitement selon son l'original, et ça serpente comme ça, et je dois visualiser ça. Là, bon, là, l'hypnose coupe. L'hypnothérapeute me demande, OK, mais est-ce que tu es déjà venu faire ce genre de mission-là sur la Terre avant maintenant? Et je dis oui, puis la première image qui me vient, c'est je me retrouve au temps de Jésus. Et je vois toi, mon chéri, de cette époque-là. Et d'ailleurs, je te vois aussi dans le vaisseau. C'est pas, je te vois dans le vaisseau, c'est pas, je te vois pas comme une entité là, à part entière. C'est juste que je le sais que tu es dans le vaisseau. J'ai cette conviction-là que tu es dans le vaisseau. Et là, c'est ça. Je me retrouve à l'époque de Jésus, puis je dis, ben, on a échoué, on est venu, on a essayé d'aider les gens à élever leur conscience, à se connecter avec leur divinité, avec leur divin en eux, mais on a échoué. Puis on est revenu à plusieurs reprises pour monter le taux vibratoire, puis essayer d'aider les gens, mais bon. Et là, on revient cette fois-ci, c'est le moment venu. Comme si on est vraiment à une époque charnière, que là, c'est le temps, là. Là, let's go. Et là, je me trouve projetée dans comme le futur. Bon, on sait que le temps n'existe pas, hein? Je suis comme dans une autre ligne de temps. Puis, il faut juste penser que, faut pas oublier que on n'est pas du tout. Tu sais, c'est en 2019, là. Et je vois qu'est-ce qui se passe en ce moment. On peut le voir comme symboliquement, mais du moins, je vous explique, vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire. Je me retrouve, c'est l'hécatombe. C'est terrible qu'est-ce qui se passe. J'entends crier, les gens sont dans la peur, les gens courent partout. Le ciel est rouge-orange, comme si le ciel était en feu. C'est vraiment pas, la sensation est vraiment pas le fun là, à ce moment-là dans mon hypnose. Et les gens savent plus où aller, savent plus quoi faire, ils sont perdus. Et je vois arriver des vaisseaux mères de l'Alliance et des vaisseaux reptiliens, Draco. En tout cas, c'est des vaisseaux ils sont pas gentils. Okay? Et les êtres stellaires, les âmes stellaires qui sont incarnées ici sur Terre en ce moment, je les vois toutes comme s'ils s'allumaient et ils sont comme des colonnes de lumière bleue. Et je me souviens d'avoir dit, c'est pas au sens figuré là, qu'ils sont des colonnes bleues, là. C'est au sens propre. Comme s'ils étaient. On est tous rendus des immenses colonnes bleues de lumière connectées au vaisseau de l'Alliance. Et ça, partout à travers le monde, là, il y a des vaisseaux, des gros vaisseaux mères, où est-ce que on est tous des piliers de lumière connectés et on tend la main vers les personnes qui sont apeurées pour leur dire, OK, inquiète-toi pas, venez ici, venez par ici. C'est ici la lumière. Mais là, il y a du monde qui s'en vient vers nous et il y a du monde qui s'en vont vers les autres parce qu'eux autres aussi, ils jouent leur jeu, là. Ils jouent leur jeu de « on va tous vous sauver, c'est nous les bons ». Ça me fait penser comme le film V, là, où est-ce qu'ils essayent d'être gentils puis ils font comme s'ils étaient les bons, mais en fait, ils vont se servir des humains, hein?
Et ce que je vois, c'est que il y a plein de monde qui nous suivent, il y a plein de monde qui s'en vont de l'autre côté, et les vaisseaux s'éloignent de la Terre. Et comme le temps n'existe pas, il se passe quelque temps. On passe quelque temps dans les vaisseaux, parce que c'est des vaisseaux là, qui sont gigantesques là, comme des villes, hein, qu'on peut vivre là, tout le temps. Et il se passe environ quelques mois, je dirais environ 5 mois à travers les qu'on vit dans les vaisseaux. Et sur la Terre, il se passe en années terrestres, c'est des années et des années. Et le vaisseau des pas bons s'en vont sur d'autres plans, continuer leur cheminement. Je ne sais pas trop ce qui se passe avec eux, mais c'est comme si ce qui m'intéresse le plus, c'est nous qu'on est sur les vaisseaux-mères, on revient sur la Terre et tout le monde ensemble, avec tous les peuples galactiques qui veulent bien venir ici. Mais d'ailleurs, il y en a déjà beaucoup des peuples stellaires qui vivent ici sur la Terre. Mais tous reviennent, mais avec en étant qui ils sont vraiment. Et je nous vois en train de repeupler la Terre, d'être dans l'entraide, dans l'amour, la fraternité, la paix. Et je nous vois même faire des ponts de lumière, qu'on est plusieurs à se mettre ensemble et envoyer plein d'énergie sur la Terre, où est-ce qu'il reste des endroits où est-ce que la Terre, elle n'a pas fini de se régénérer, où est-ce qu'il y a un peu plus de densité. Et on vient comme aider la Terre à se réparer, pas à se régénérer. Fait que ça, c'est tout ce qui a rapport avec mon hypnose de ce moment-là. Dans certains récits de personnes abductées, il y a souvent des gens qui disent avoir des guides qui les protègent, comme moi avec Victor, David avec Ouais, Ésaïe, je vois où tu vas Joresh venir. avec Tricia. Est-ce que toi, tu avais quelqu'un qui t'était assigné? Ouais, c'est spécial ça parce que quand je suis sortie de mon hypnose, j'avais pas tout à fait sorti. Tu sais, je commençais à revenir dans mon état normal et j'ai eu la rapidité d'esprit de demander qui me donne les réponses pendant l'hypnose. Et tout de suite, le premier nom qui m'est venu, c'est Brahman. Mais j'ai jamais vu le visage, j'ai jamais vu une forme ou une entité spécifique. C'est juste que je le savais, ça venait spontanément comme dans mon intuition, dans mon canal. Et là, bien évidemment, je suis restée avec ce nom-là et j'ai été voir sur Internet si ça avait une signification, si on pouvait retrouver ce nom-là. Et à ma grande surprise, mais en même temps pas si surprise que ça, parce que on peut le voir hein, sur Wikipédia, vous pouvez aller voir là, les gens qui voient les capsules, allez voir Brahman sur Wikipédia. Ça a rapport avec Vishnu, des êtres bleus. Hein? C'est spécial, les êtres bleus, parce que moi, je me vois bleu aussi. Effectivement, oui. Et ce que je retiens du nom Brahman, ce que ça dit, c'est âme universelle. Wow. Je trouvais ça spécial que Brahman signifie âme universelle.